1990, an imaginary coup d'etat. In a few months, my country became a concentration camp for hundreds of black soldiers and officers. I was 6 years old. I never understood I would switch to such horror of racial hatred. Le 19 octobre 1960, entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je procure solennellement l'indépendance de la République. My country, Mauritania, is composed of blacks and of Arable Berbers in power since independence. Living together proved difficult for the two communities. Very soon, the black people were oppressed. As early as 1966, some black students started an unlimited strike against a measure making Arabic compulsory for high school students. For the black community, this measure was a sign of cultural oppression. Then in 1979, a new strike was started as the use of Arabic was expanded to all students. In 1986, other students drew international public opinion on the question of the marginalization of the black population by spreading the manifesto of the oppressed black Mauritanians. This was bloodily repressed. Over 30 black students and politicians were arrested. Many died in jail. In 1990, the black community was accused to plot a coup d'etat against Ould-Tayyar's regime. It was the pretext given to explain the purge within the military that ensued. Black Mauritanian soldiers and officers were arrested, tortured, and killed in concentration camps. It was the 1990 ethnic purge, the darkest period of my country history. In that time, Mahamadou Sy was commander of the base of La Guerra. He has survived death row. Today, he lives in Paris, and he is going to tell me this story. Mais pourquoi tu te plains? T'es prêt à faire la cuisine, on te demande de la faire tous les jours. Ça, on te demande pas de faire l'été, c'est déjà ça. Moi, Je me suis engagé dans l'armée en 1978, après le coup d'État de 1978 qui a marqué la fin du régime civil en Mauritanie. J'ai toujours été attiré par l'armée, évidemment. J'ai toujours voulu servir le pays. Au début, c'était l'attirance de la tenue. Mais une fois engagé, on se rend compte qu'on a d'autres missions, qu'on a une autre mission qui est beaucoup plus importante que seulement le port de la tenue, qui est celle d'aller combattre à l'époque. Ça bougeait beaucoup. On était en pleine guerre du Sahara, donc il fallait se joindre à ça, apporter aussi sa contribution à l'effort national. Quoi.
ce clivage racial n'existait pas à ce moment-là, dans ma tête en tout cas. Dans ma tête, ça n'existait pas. Et c'est un peu plus tard qu'on a commencé à remarquer qu'il y avait franchement une volonté réelle de bourrer l'armée avec des cadres arabes. On a commencé à voir ça vers les années 83. Ça, c'était encore sous le régime de Haïdallah. Ça. Mais le paroxysme sera atteint sous le régime du colonel Ultaya. Petit à petit, on a commencé à voir ces officiers-là qui étaient envoyés en formation en Libye ou dans les pays du Golfe et autres, revenir avec une nouvelle façon de penser. C'est comme ça qu'on verra l'armée mauritanienne être infiltrée petit à petit, par des officiers qui ont une idéologie basiste. Et cette idéologie, comment dire, ces officiers-là commenceront réellement à noyauter l'armée. Et ceci entraînera une mise à l'écart progressive de la communauté militaire, en tout cas des négro-mauritaniennes. C'est comme ça, personnellement, que je me suis retrouvé dans des escadrons dits statiques. Cette affluence des officiers maures au sein de l'armée a commencé après le coup d'État de 78. Parce que, tout simplement, les gens ont compris qu'à travers l'armée, ils avaient un moyen facile d'accéder au pouvoir, ou en tout cas au commandement. Je suis en France depuis 18 ans bientôt, et le mal du pays me ronge beaucoup. J'ai décidé en tout cas de repartir pour une occasion bien donnée. Il se trouve que depuis bientôt un an, il y a un projet qui existe. Projet d'aller se recueillir sur les tombes de mes collègues qui sont tombés sur le champ de la haine. Okay. Ma volonté est de m'y rendre, d'abord pour être en paix avec moi-même, et ensuite pour revoir ces lieux-là, pour essayer de voir si je peux faire le deuil, en tout cas, de tout ce que j'ai vécu. Le 10 novembre 1990, vers 18h, ne voyant pas arriver mon chauffeur que j'avais envoyé à la région militaire, j'ai décidé de prendre un taxi pour rentrer chez moi, parce que j'avais passé le week-end à La Guaira, donc je suis rentré tranquillement chez moi. Dès qu'on est arrivé à la hauteur de la Tour Bleue, juste après la crête là-bas, après la descente, un véhicule militaire nous dépasse et nous demande de nous arrêter. À bord du véhicule, il y avait le capitaine, M. Ahmed,
Il me demande de venir le voir. J'arrive, je le salue militairement, il me rend mon salut et il me demande d'embarquer avec lui parce que le colonel Sidi Ahmed Boubeïlil souhaitait me voir. Rien d'étonnant à cela, donc j'embarque. Quand on est arrivé à la base, on m'installe dans le mess des officiers, ce qui était aussi logique. J'avais tout, les soldats qui faisaient le thé, les soldats qui amenaient à manger, tout ça. Et au cours de la nuit, le lieutenant commandant d'escadron de la base vient me voir. C'était un ami, on jouait ensemble aux échecs, on jouait ensemble aux jeux de dames. On se connaissait très bien, on avait sympathisé, il y avait des liens qui nous unissaient, quoi. Et il me demande, lui il rentre dans la cellule accompagné de soldats. Les soldats en armes. Ils viennent, les armes sont pointées sur moi. J'étais surpris. Il devait faire à peu près vers 23 heures ou quelque chose comme ça. J'étais un peu surpris. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci s'il a reçu des instructions. Il les applique. Mais puisque je n'ai rien à me reprocher, il n'y a pas de raison que je refuse de me soumettre à ça. On me retire mon ceinturon, on me retire mes galons et mes chaussures. Là où ça a commencé à me perturber, c'est quand on me demande de mettre les mains derrière le dos et les soldats attachent les mains derrière le dos. Ensuite, on me passe un bandeau sur les yeux et amené dans une chambre. J'ai entendu une voix, celle du commandant de base, Dinal, qui aujourd'hui est colonel. On m'a arraché le bandeau et j'ai reconnu tout de suite deux officiers qui travaillaient avec moi, enfin qui ont tous travaillé avec moi et qui ont tous été mes adjoints à un moment donné à La Guerra et qui d'ailleurs mangeaient chez moi. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, bon, enfin, j'étais content parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un va m'expliquer, va me donner les raisons pourquoi je suis là. Mais le gars, au ton sec qu'il a utilisé, au regard qu'il m'a lancé, je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Franchement, je ne comprenais pas l'attitude. Il me dit, Rod. Rod, ça veut dire raconte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut que je raconte? Moi, je ne sais rien, je ne sais même pas pourquoi je suis là. À nouveau, j'ai été, ils m'ont d'abord étranglé, les deux. Ils ont pris un ceinturon qu'ils m'ont passé autour du cou, chacun tiré de son côté. Moi, étranglé, je ne sais pas combien de fois ce jour-là. Et quand ils ont terminé pour la troisième, quatrième ou cinquième fois, je ne sais pas combien de fois, il est sorti en disant aux soldats qui sont là de s'occuper de moi. J'ai été à nouveau retiré de mon poteau et encore mis à plat ventre. Les gens se sont mis encore à taper, à tabasser. Avec une rare violence, toujours est-il que quand j'ai repris conscience, j'étais à nouveau attaché à mon poteau. Et on m'a mis dans un camion, on m'a littéralement jeté dans un camion. À ce moment-là, j'ai atterri sur d'autres personnes qui étaient dans le camion. Je ne voyais rien, mais je sentais qu'il y avait des corps déjà. On a embarqué d'autres personnes qui ont été jetées littéralement sur nous, quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, le camion a démarré.
Je suis arrivé ici le 11 novembre 1990. Ensuite, viendra l'arrivée des marins. Pratiquement les deux tiers des marins qui ont été arrêtés ne survivront pas. Pratiquement. Et dans ce cadre, le lieutenant Andayrou est amené dans notre cellule le 23 novembre au matin. Les pieds étaient entravés. Il est rentré, il nous a regardés. Il a dit bonjour et ils l'ont fait sortir. Andayrou, c'est mon cousin. Vers 17h, 18h, la porte s'ouvre à nouveau. Et dans l'encadrement, je vois le caporal étrangleur avec des bandeaux. On sait à partir du moment où on a vu les bandeaux, c'est qu'il y a de la torture. Parce qu'en général, pour torturer, ils cachent le visage de la victime. Comme ça, on ne sait pas qui a tapé ou qui n'a pas tapé. On nous amène derrière le grand hangar, on nous a alignés derrière des voitures. On a trouvé sur place Andayrou qui était déjà là. Chacun d'entre nous a été attaché derrière un véhicule. À un moment donné, j'ai senti le véhicule démarrer. J'ai senti l'odeur de la fumée, le gasoil et tout ça, la brûler. Je l'ai senti. Bon, rentrer directement dans la gorge, quoi. Parce que le pot d'échappement n'était pas loin. Et le camion s'est déplacé. Au début, j'ai essayé de suivre la cadence, parce qu'en marchant en reculant, je me suis attaché derrière. Mais ça n'a pas tardé, d'abord, parce que tout simplement, je ne pouvais pas. Je n'ai pas tardé à me retrouver traîné par la voiture. Et de temps à autre, il y a un véhicule qui partait faire un tour avec son prisonnier et il revenait s'immobiliser. Toute la nuit, des soldats passeront pour nous insulter, torturer, en disant qu'il n'y aurait pas un seul noir qui resterait dans l'armée. On est resté là jusqu'au matin. Le matin, le soleil commence à pointer. On commence à distinguer, personnellement, je commence à distinguer un peu les ombres. Je regarde à ma gauche pour voir mes compagnons. Je vois que Sall Abdoulaye Moussa bouge un peu. Je lui dis comment ça va. Il m'a regardé. Il a regardé dans ma direction. Il me dit oui, ça va. Et ensuite, j'ai regardé dans la direction d'Ahirou. Ahirou ne bougeait pas. J'ai regardé avec insistance pour essayer de guetter au moins le mouvement de sa respiration. Je ne voyais rien du tout. Je me suis dit peut-être qu'il a pu dormir parce qu'il s'était agenouillé. Et en regardant avec plus d'insistance, j'ai vu que son genou droit ne touchait pas le sol. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment il a pu dormir sur ce genou? Et j'ai vu que la tête pendait légèrement sur le côté et que la corde était là. La corde qu'il retenait par la poitrine est remontée, donc il a glissé et il s'est pendu sur la corde. Il y avait un véhicule qui était là. Ils l'ont monté, ils l'ont tiré par les pieds, ils l'ont fait monter dessus. Ils l'ont amené quelque part, ici. Je ne connais plus tellement le paysage parce que tout a changé. Quelque part autour de la crête là-bas. Ils ont creusé un trou et ils l'ont mis là-dedans. Au moment où ils creusaient, Jemal Oulmoïlid était en discussion avec Sall Abdoulaye Moussa. Ils étaient en chaude discussion. Toujours est-il que la dernière parole qu'il a eu à prononcer, c'était de savoir pourquoi il était là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait pour être là. Et il le disait avec beaucoup de virulence à l'égard de Jemal. Ce sont les dernières paroles que Sall Abdoulaye Moussa prononcera. Il se tait.
Il était à peu près 8h30. Le camion, la Land Rover qui revenait, qui avait enterré en Dairo, venait juste d'arriver. Ils l'ont tiré, ils l'ont mis dessus. Ils sont partis avec. Ils l'ont amené au même endroit, juste à peu près à quelques mètres de Dairo. Ils ont creusé également. Et là aussi, ils l'ont enterré. Puis, Mansour, ils l'ont ramené en cellule. Et le soldat qui avait passé la nuit de garde m'a détaché. Mais il voyait que j'avais le regard fixé sur... Il voyait que je n'arrivais pas du tout à détacher le regard de la scène. Il m'a donné un paquet de biscuits. Je lui ai jeté le paquet de biscuits. Il a pris ma chemise, mon pantalon de sport. Il a remis le biscuit là-dedans, le paquet de biscuits. Il a roulé sans boule. Il m'a donné. En cours de route, juste devant la cellule, il y avait un camion qui était immobilisé, quoi. Et on débarquait des soldats. Parmi ces soldats, je voyais quelqu'un que je connaissais bien, l'imam Madou Salif. Non, l'imam Madou Dimouès, qui est un ami d'enfance qu'on surnommait Babali, et qui m'a regardé un bon bout de temps. Il a marmonné quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis, je vois un corps qui est juste à côté du mur, le corps d'un soldat aussi que je connaissais bien, qui venait à la maison. Un soldat du nom de Hamen Diaye, qui était un de mes soldats à La Guéra, dont il y a la photo sur le livre de l'Inferdinal. Une photo qu'il m'avait remise à La Guéra un jour. Et quand il me l'a remettait, je lui disais, mais je n'avais pas besoin, pour le taquiner, entre le lien de familiarité entre l'Ndiaye et le Si, je lui disais que je n'avais pas besoin de la photo de l'Ndiaye. Il me dit, mais écoute, garde ça, ça te servira un jour. Et c'est cette photo qu'il représente aujourd'hui. Le capitaine Lhomme nous a dit déjà que lui, il était enfermé juste dans le bâtiment qui est juste derrière notre cellule, c'est-à-dire mon ancien appartement. C'est là qu'il était enfermé, lui. Il avait des ongles arrachés, des brûlures de papier sur le dos, des traces d'étranglement et des traces de torture. Donc le 26, vers 13h, le capitaine Lhomme est couché, il nous tourne le dos, le repas est déposé. Je lui demande de venir manger, il me dit non, qu'il n'a pas faim. Je l'ai aidé à boire. Il a bu une gorgée, il a avalé, il a bu une autre gorgée, il a recraché, et puis il n'a plus rien dit. Il a penché la tête sur le côté. Il avait sa tête était là, sur cette main-là. Là. C'est comme ça qu'il est parti. Quand je regarde cette base qui n'existe plus, je revois les bâtiments, je revois également la maison du commandant de base, moi, et puis à côté mon ancien appartement. J'imagine aussi la place du lieu de rassemblement,
qui pratiquement n'est plus du tout visible. Il n'y a plus rien. Tout a été rasé. Comme si les gens voulaient coûte que coûte effacer toutes les traces de cette souffrance-là. On a fait un terrain de football sur lequel courent des gamins qui ne savent pas l'histoire de ce terrain et qui ne sauront peut-être jamais l'histoire de ce terrain. Toute la mémoire a été effacée aujourd'hui par rapport à ça. On voit jusqu'à quel point la Mauritanie a sombré dans la bêtise humaine. Des militaires prendre d'autres militaires et avec lesquels ils ont travaillé dans toutes les conditions et se transformer du jour au lendemain en bourreau. Et c'est comme si un père de famille se réveillait un bon jour et qu'il se mettait à massacrer ses enfants. Le 27 novembre 1990, au soir, à Inal, vers 17h, les prisonniers ont été sortis de leur hangar et ont été alignés. Un caporal est passé avec un feutre où il mettait des croix sur certains prisonniers. Sans ordre établi, mettait simplement des croix. Personne ne savait à quoi servaient ces croix-là. Personne. Et un soldat s'en est inquiété, un militaire, un sous-officier. Un autre gradé lui a répondu qu'on allait déplacer ces hommes qui étaient marqués, qu'on allait les déplacer pour les amener ailleurs. Et lui, il a dit au sous-officier: moi, je suis marin, je suis venu avec les marins. Je préfère rester avec mes collègues, mes compagnons. Sans hésiter, le sous-officier, un sergent-chef, demande à quelqu'un d'autre de le retirer. Il a été retiré du lot et on a pris quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Il se trouve que celui qui est mis à sa place, c'était son petit frère. Mais on ne savait pas, personne ne savait à l'époque pourquoi les gens étaient cochés. Et vers minuit, les prisonniers numérotés sont mis pratiquement à l'entrée des hangars. Et il y a eu un passage dégradé des officiers de la base, des sous-officiers de la base, plus quelques petits gradés, des caporaux et soldats de première classe qui étaient là, qui s'agitaient. Les gradés sont partis. Il restait les petits gradés et quelques sous-officiers qui étaient là. Ils ont commencé à pendre les gens à minuit. Donc, les deux frères tenaient absolument... ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps. C'est tout à fait normal parce qu'ils se sont retrouvés dans ces conditions, ils se soutenaient l'un l'autre. Et quand ils ont compris ce qui se passait, chacun voulait passer en premier pour ne pas assister à la mort de l'autre.
Donc un tirage au sort a été opéré par les bourreaux. Et le plus âgé est passé en premier. Le plus âgé donc est passé en premier. Et après ces pendaisons, il y aura 5 autres morts après. Pas des gens qui sont pendus, mais comme les gens étaient pris de frénésie, et c'était comme des gens qui étaient complètement, qui avaient perdu complètement la raison, ils tapaient sur tout ce qui bougeait. C'est dans ce sens-là, enfin dans ce cadre, qu'il y a eu 5 morts supplémentaires. Et ce jour-là, parmi les pendus, il y a le soldat de première classe, Ndiaye Oumar, qui fut mon chauffeur et qui conduisait le véhicule le jour de mon arrestation, plus d'autres et d'autres et d'autres encore. Je pense que il faut vraiment manquer d'humanisme pour... Même pour les gens qui ont vécu ça, c'est difficile de se rappeler de tout ça. Difficile. Difficile. Voir des gens courir à gauche, à droite, entre des prisonniers. Ces gens qui sont... qui achèvent les pendus quand ils tardent à mourir. Ces soldats qui prenaient des barres de fer pour complètement achever des gens qui tardaient à rendre l'âme, quoi. C'est pas... Enfin, je pense qu'il faut... Il y a qu'une chose qui peut nous aider en tout cas à oublier ou à, en tout cas à dépasser ça, c'est que il doit y avoir un rétablissement de la vérité pour moi. La justice doit passer par là. Si ce n'est pas fait, c'est des choses qui ne s'oublieront pas. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit simplement de rétablir la vérité et de rendre justice et de réhabiliter des gens qui sont partis pour rien, tout simplement. Je pense que faut arrêter. Le 5 mars 1990, on nous a sortis des prisons. Nous avons été embarqués dans un camion et on nous a envoyés, acheminés vers Jreida. C'est là que nous rencontrons pour la première fois une autorité en dehors des autorités militaires, c'est-à-dire le procureur de la République, qui nous apprendra que nous étions accusés de complot. On nous dit qu'on voulait comploter, qu'on voulait faire un coup d'État. Pour la première fois, on apprenait officiellement le motif de notre arrestation. Après ça, le procureur nous dit qu'on devait choisir des avocats, chacun. Et un jour, on nous notifie qu'il fallait se préparer pour un procès. Peu après, ce commandant de base lui-même est venu nous voir pour nous demander de réintégrer nos chambres. Nous avons voulu savoir pourquoi.
il nous a dit bien, que le tribunal a été reporté. Le 15 avril, au matin, on nous apprend que nous sommes libres. Et c'est le capitaine commandant de base qui, en personne, nous informe de cette nouvelle. Et il nous dit, en ces termes, le chef de l'État vous a gracié à l'occasion de la fête du Ramadan. D'abord, on est resté un peu hagard, parce qu'on ne comprenait pas. J'ai reposé la question, il me dit, vous êtes pardonné, le président vous a gracié, il vous a pardonné. Je lui ai dit, bien attendez, nous, on n'a rien fait. On a été arrêtés, humiliés, torturés, certains tués, et c'est nous qu'on pardonne. Il me dit, bon écoute, ah, laisse tomber, le président vous a gracié, et il demande de la part du chef, enfin, le chef d'état-major m'a chargé de vous dire qu'en bon musulman, il faut oublier. Sortir comme ça, ça... Rester sans voix. On se retrouve finalement au mess des officiers face à ces mêmes gens qui nous torturaient hier, qui nous ont humiliés, qui ont massacré certains d'entre nous, qui en ont tué. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous servir le thé, qui viennent nous demander si on a faim. On n'arrivait pas du tout à donner un ressenti par rapport à ça. Parce qu'il y a la méfiance, il y a la haine aussi, il faut le dire, parce qu'on se retrouvait nez à nez avec celui qui vous torturait, parce qu'il y avait des officiers qui ont participé aux tortures et qui étaient là en train de prendre avec nous le thé. Et des officiers qui ont supervisé l'exécution de collègues, qui étaient là également. Et au matin, on s'est tous alignés pour la prière, mais avant ça, moi j'ai tenu personnellement à me promener jusqu'à la plage, là-bas. On a traversé, on est venu à peu près de ce côté-là, avec deux amis, on a marché vers les dunes que vous voyez là, on a dépassé, on est allé jusqu'à la plage, on est allé jusqu'à l'eau, juste pour être sûr quand même qu'on pouvait, c'est parce que c'était la première fois qu'on se déplaçait sans avoir un fusil derrière. Mais cette fois-ci, cette distance, nous l'avons couverte sans rien, sans gardien, sans rien. La liberté, quoi. Sur le chemin du retour, on voyait le terrain de foot sur lequel beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup. Et des gens ont été exécutés également sur ce terrain-là. Mais on voyait tout ça et c'était une ambiance surréaliste de voir qu'aujourd'hui, les gens sont là en train de prier et que juste en face, c'était passé il y a quelques semaines des scènes macabres. Des gens qu'on a enterrés jusqu'au cou, des gens qui ont été, comment dirais-je, qui ont été exécutés tout simplement, des gens qui ont succombé sous la torture. Et tout ça, en face, on était en train de préparer la fête du mois de Ramadan face à ces symboles. On nous a régularisé deux mois de salaire et puis on nous a dit, bon écoutez, maintenant vous rentrez et quand vous aurez fini la fête chez vous, avec vos parents, vous vous représentez à l'état-major. Et chacun a rejoint sa famille, en attendant, après la fête. J'arrive à la capitale, à peu près à 200 mètres, je vois une fille qui court dans ma direction. Je reconnais tout de suite Mariam, ma fille aînée, qui court en criant « Papa, papa, papa ». C'est la première à arriver dans mes bras. Raki, la deuxième, sa sœur, était restée auprès de sa maman. Bon, la famille s'est déplacée, évidemment, vers ma direction. Mais Mariam n'a pas résisté. Elle a couru jusqu'à ce que j'étais dans mes bras. Je l'ai prise. Et puis, on est rentré dans la famille. Et une fois que la fête est terminée, on est rentré à l'état-major, chacun, enfin tous, nous sommes tous présentés au niveau de l'état-major, où on nous mettra en congé. Ce congé n'était donné que pour permettre à l'état-major
ou à la Défense de statuer sur notre sort. C'est comme ça que, quelques jours après nos congés, on nous a notifié que nous étions remerciés par le ministère de la Défense pour mauvaise manière de servir. C'est bien le motif qu'ils ont employé. Combien sont morts à Inal? Il y a à peu près 150 quelques. 150 personnes. Donc, deux. 150. Pour commencer, je remercie Dieu de m'avoir donné la vie aussi longue pour pouvoir assister à ça. J'aurais jamais pu penser qu'un jour, je remettrai le pied à Inal. Grâce à Dieu, grâce à votre volonté, grâce à votre pugnacité, grâce à votre persévérance, on est tous là aujourd'hui. J'admire votre courage, je le dis. J'admire cette ténacité parce que vous avez bravé tout ce qu'il y avait à braver. Les barrières des policiers, les barrières des gendarmes, rien ne vous a découragé, vous êtes venus jusque-là. Et je souhaite que cela puisse se reproduire autant de fois qu'il le faudra et que nous puissions être encore plus nombreux les années suivantes. On est tous d'accord que les gens sont responsables de leurs actes et que les enfants des responsables ne sont pas comptables des actes de leurs parents. Donc, si quelqu'un est indexé soi-disant « ça c'est le fils du traître » ou « ça c'est le fils de l'assassin », lui il n'y est pour rien, il n'est pas comptable de l'action qui a été commise par son père. Donc on a blessé tous les Mauritaniens. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui revenir ici ça me fait du plaisir, non, pas du tout. Mais je me réjouis de voir qu'il y a des Maures ici, qu'il y a des Haratines, qu'il y a des Soninkés, qu'il y a des Wolofs, qu'il y a tout le monde ici. Ça veut dire qu'on peut reconstruire quelque chose ensemble, si l'on veut. C'est un jour de deuil, c'est un jour de pleurs, c'est un jour d'amertume. Et le deuil, je peux dire qu'on l'a commencé aujourd'hui. Ce jour, c'est ce jour-là que notre deuil a commencé. Le jour où on a pu nous rendre à Inal, identifier les tombes et savoir comment ils ont été tués. Aujourd'hui, le 28 novembre 2011, on est là à Inal. Qui l'aurait pensé? Personne, en tout cas pas nous. Mais Dieu, le Tout-Puissant, nous a donné ça. Pour nous, l'Inal, Inal deviendra un lieu de pèlerinage. À chaque fois qu'on le pourra, on viendra ici nous recueillir. Inch'Allah. C'est des Nécro-Mauritaniens qui ont été tués. Mais je suis aujourd'hui que ce ne sont pas seulement les Noirs qui ont souffert dans leur chair, c'est tous les fils de la Mauritanie, évidemment, qui le veulent, qui sont là aujourd'hui, qui ont souffert. Balla, où est Balla? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Assalamu alaykum. Je réponds toujours à la question de ma présence, enfin ma survie par rapport à ces événements. À cette question, j'ai toujours répondu que c'est simplement de la chance. La chance, tout simplement. Ça, c'est un. Et tout au début, on peut dire que c'est la chance. Mais vers la fin, il a fallu peut-être aussi chercher
des coupables, des dirigeants, des meneurs. À ce titre, j'ai été choisi avec un ami qui vit actuellement aux États-Unis. Bon, nous étions les meneurs désignés pour la région de Nouadhibou. Cette parodie de jugement n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu également un phénomène qui s'est produit avec l'arrivée d'un sous-officier en France, d'un sous-officier qui s'appelle Cherfal. Ce sous-officier, c'est un haratine d'origine de la région de Rosso. Il était à Jreda et quand il a été envoyé ici en stage, c'était quelque chose de trop lourd pour lui à porter. Il est parti voir des journalistes qui l'ont mis en rapport avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Et ils ont tout pris de ce qui se passait sur la Mauritanie. Ces journalistes l'ont mis en rapport avec certains médias, RFI, et il s'est exprimé directement. Et le jour où il s'est exprimé, nous, on était encore à Jreda. Mais on voyait des soldats se regrouper autour des petits postes de transistor et on les entendait dire, bon, écoutez, il a vendu la mèche, il a dévoilé le secret militaire. Des insultes fusées à l'encontre de ce monsieur-là. Nous, ce monsieur nous a sauvé la vie. Parce qu'après ça, la France s'est intéressée au problème mauritanien. Le comité tiendra compte en tout temps des aspirations de notre cher peuple. Après notre libération, une phrase qui a été sortie par le président de la République, le colonel Oultaya, qui a dit que la Mauritanie était comme un arbre et qu'il fallait le secouer de temps en temps pour faire tomber les feuilles mortes ou les branches mortes. Dans notre compréhension, nous représentions ces branches mortes-là. Parce que dans son entendement, il avait secoué la Mauritanie, il en a tué quelques militaires négro-mauritaniens, donc il s'est débarrassé de ses feuilles mortes. Il doit y avoir une réparation. La réparation, ce n'est pas une vengeance, c'est tout simplement rendre justice à ce qu'il mérite, tout simplement. On a le droit et le devoir de vérité pour nos générations qui viennent. Woo-hoo!